Rattachée au continent par l'isthme des Sablettes, la presqu'île de Saint-Mandrier se situe à 17 km de Toulon, la préfecture du Var, et ferme sa rade tel un verrou. D'une superficie de 550 hectares, elle bénéficie d'un microclimat très apprécié. Le blason aux armes de Saint-Mandrier a été conçu en 1951 par l'un de ses habitants. Les trois tours symbolisent son rôle ancestral dans la défense de Toulon et de sa flotte. 1950 marque l'année de son détachement administratif de la Seine-sur-Mer. Les poissons rappellent l'importance de la pêche dans l'économie du village. La lance et le casque évoquent les soldats saxons Mandrianus et Flavianus, fondateurs légendaires du village au VIe siècle. L'ancre marine fait état de sa qualité de port de relâche et d'abri. La croix de guerre avec étoile de vermeil récompense son comportement et son action lors de la Seconde Guerre mondiale. La devise « Semper Mandrianus Vigile » signifie « Toujours Saint-Mandrier veille ». Voilà. Alors, je vais vous dire.
Alors 4,85 euros. Alors qu'est-ce que c'est haricots
le théâtre de la Coudoulière, ancien fortin de la Grande Guerre, a été aménagé dans les années 70. Des soirées théâtrales et musicales y sont présentées à la belle saison. À quelques dizaines de mètres de là, le complexe Marc Baron offre toute l'année des spectacles, des expositions, des conférences et des projections cinématographiques. En 1670, Louis XIV lance la construction d'un hôpital à Saint-Mandrier, sur les terres d'un ancien prieuré du XIIe siècle. L'hôpital Saint-Louis jouera un rôle important lors des nombreuses guerres et pendant les grandes épidémies des XVIIIe et XIXe siècles, peste et choléra notamment. Périodiquement détruit et reconstruit, les bâtiments feront place à l'école des mécaniciens chauffeurs et scaphandriers de la Marine nationale en 1936. La chapelle de l'école des mécaniciens, haute de 17 mètres, a été construite entre 1825 et 1829 par quelques 600 forçats du bagne de Toulon. L'édifice, construit en calcaire blanc de Saint-Rémy de Provence, comporte 24 colonnes à chapiteau ionique. Le cimetière national, construit au XIIe siècle, domine une bonne partie du village. En son centre se dresse un mausolée en forme de pyramide de 8 mètres de haut, où repose la dépouille de l'amiral français Latouche Tréville. Cet ennemi juré de l'amiral Nelson est décédé en 1804 à Toulon. Ce lieu, très prisé des promeneurs et des touristes, abrite également un vaste ossuaire. Y sont rassemblés les restes des défunts de l'hôpital, ainsi que ceux des combattants français et alliés de la Grande Guerre. Le cimetière deviendra franco-italien dans les années 50, en mémoire des nombreux transalpins tués sur notre sol pendant la guerre de 39-45. La base aéronavale du Cagnier a été mise en service en 1933. Initialement armée d'hydravions, elle reçoit des hélicoptères à partir de 1952. Elle ferme définitivement ses hangars en 2004. Le site militaire sera certainement repris par des sociétés de maintenance pour la Grande Plaisance. Le sémaphore de la Croix des Signaux, édifié en 1865, culmine à 130 mètres au sud-est du port. Des militaires surveillent 24 heures sur 24 la mer, le ciel et la terre, voire les incendies en période estivale.
Pendant la période estivale, les joutes provençales, adaptation moderne des tournois d'antan, rencontrent un vif succès, tant chez les mandréens que chez les vacanciers. Debout sur sa tintaine, affublé d'un plastron, d'une lancette et d'un témoin, le jouteur doit envoyer son homme à la mer, selon des lois très strictes. Saint-Mandrier se glorifie d'un palmarès plus qu'élogieux depuis un demi-siècle. Folklore, suspense, force, équilibre et vice sont au programme de ce véritable sport haut en couleur. Saint-Pierre, le patron des pêcheurs, est fêté à Saint-Mandrier depuis 1924. Les festivités comportent invariablement une procession, une messe célébrée sur une embarcation et un défilé de bateaux fleuris. En 2005, la destination en est la rade de Toulon, où des gerbes seront offertes aux flots, à la mémoire des marins disparus en mer. Thank you.
Le vire-vire est une course annuelle de bateaux gréés en voile latine. Entre Saint-Mandrier et Sainte-Marguerite s'affrontent pour le plaisir Pointu, Tartane et autres voiliers venus de tout le littoral provençal. Calendal se déroule le troisième dimanche avant Noël. Cette manifestation, empreinte de fortes traditions occitanes, est liée à la nativité. Des mandréens et mandréennes, en habits folkloriques, se rendent à l'église du village pour y déposer leurs santons. Après la messe, entrecoupée de chants provençaux, tout ce beau monde haut en couleur pourra déguster sur le parvis les 13 desserts de Noël et autres mets du terroir.
C'est beau, ça c'est beau. Voilà, c'est merveilleux.